Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous retrouve sur Zeus, le maître d'Olympe, pour la dernière colonie du jeu, officiellement parlant, bien sûr. Donc, Ténédos. Ténédos est un site idéal pour bâtir une base militaire, mais c'est bien son seul atout. Donc, déjà, ça en dit long sur ce qui nous attend. On va choisir la colonie. Voici ce que Calchas le Devin avait à dire. Pour conquérir Troie, il vous faudra l'aide du héros Achille. Il a jadis participé à la guerre de son plein gré, mais Agamemnon a réussi à l'offenser d'une façon ou d'une autre. Les héros sont d'un susceptible. Vous devez le convaincre par la douceur de reprendre le combat. Peut-être les dieux vous aideront-ils. Pendant que vous vous efforcez de persuader Achille, vous devriez faire de Ténédos une place forte qui vous aidera à abattre Troie. Le site étant dépourvu de ressources naturelles, il vous faudra compter sur d'autres pour vous procurer les éléments nécessaires à sa construction. Vous pouvez toujours demander ce dont vous avez besoin à vos amis et bien entendu piller vos rivaux. Naturellement, Troie ne vous laissera pas construire une base militaire dans son arrière-cour sans réagir. Il pourrait se tourner vers leur fils chéri, Hector, pour vous créer des problèmes. Et Hector, un bel homme fort, est l'un des favoris d'Aphrodite. Ok, du coup, donc on est parti. Donc Achille le guerrier, épisode 5, avant-dernier de la guerre de Troie. On doit tuer un monstre, donc c'est Hector, ça c'est sûr. Régner sur l'Irnessos, ouais, donc c'est la deuxième cité troyenne. Soutenir 32 hoplites, ça va. Accomplir la quête à venir, d'accord. Et régner sur 6, mais je crois qu'on règne déjà dessus, normalement ça devrait pas poser de soucis. Oh mon dieu! C'est donc ça l'ultime cité colonie de Zeus, le maître de l'Olympe. Comme vous pouvez le voir, bah. On n'a rien. On n'a rien du tout. Ça veut donc dire qu'il va falloir tout faire de A à Z. Importer la nourriture. Les ressources, etc. Oh là là. Regardez, je mens pas. Hop. Bon, au moins on a un objectif déjà d'accompli, c'est 6 mai. Donc hop. Voilà pourquoi je voulais la conquérir avant, vous pouvez vous en douter un peu maintenant. Du coup, par où je vais commencer, ça c'est la question. En plus, là le pire c'est qu'il y a des. On pourrait faire pas mal de docks, je suppose, il n'y a pas de poste de commerce. Ah si, il y a Pergame. On a quand même Pergame avec qui on peut commercer. Bien, bien, bien. Du coup. On va déjà construire un dock vers Polis, vu que c'est notre cité mère. Et ben on va bien se marrer pour faire cette colonie. Je pense que si on peut faire le sanctuaire ou pas. Ouais, on peut faire celui d'Athénée et du Phaistos. Donc ça veut dire qu'à un moment on n'aura plus besoin d'apporter l'huile d'olive et tout ce qui est bronze, armement, etc. On pourrait le faire nous-mêmes. Ce qui nous serait un petit avantage. Bon. Eh ben c'est parti, hein. Faut se lancer, ça va être très très long. C'est l'ultime cité à faire. Et ben maintenant il va falloir relever le défi. On est là. Bon bah ben maintenant qu'on est lancé, on est lancé. Hein. Et vous vous doutez maintenant pourquoi je voulais avoir une grosse trésorerie, plus grosse que d'habitude. Tac, voilà. Et je vais aussi faire un chemin là. On va avoir deux greniers tout de suite à placer. Et une maintenance. On va avoir aussi des entrepôts. Donc, un pour la laine. L'autre pour l'huile d'olive. Yes. Voilà, bon, c'est pas optimisé dans l'idée, mais bon, on n'a pas trop le choix. Je vais également rajouter d'autres maisons. Alors, attends.
Non, ça va pas. Alors, toi, hop, hop. J'en mets 6 de chaque côté, donc 5 habituellement. Ça va être une très très longue mission. Et là, je suppose que je peux rien mettre d'autre, non. On va mettre des parcs. Ou alors, attends. Hop. Hop. Je vais faire un truc. Excellent travail. Voilà, on va faire ce premier quartier orné. J'espère que ça va suffire au début. Ouais, bon, il y a des trucs qu'on pourra pas récupérer tout de suite. Les échaudillons et les cruches, ouais. Donnez-moi juste un peu de temps. Il me faut un dernier entrepôt. Je vais le bâtir là. Qu'est-ce qui nous manquerait? Du bois. Et de l'armement à 16. À mon avis, cette mission, je sais pas combien de temps elle est, mais elle doit être très très longue. Ouais, faudrait peut-être arrêter de se foutre de moi là. J'ai perdu trop de la bouffe. Non, non. Voilà, ça commence les conneries. On a perdu un propos de 32 de bouffe. Ça fait cher, hein. Ok, du coup, on va acheter du blé pour commencer. On va essayer de repallier à ça. On va mettre les l'épicière de suite. Ouais. On va regagner un petit peu de sous grâce à nos vassaux. Célébrez-moi et les produits de la forge seront vôtres. Mais il y a un problème là. Voilà. C'est quoi ça? Hop. Non, faut remettre un autre grenier. Et je pense que le premier sanctuaire qu'on va bâtir, comme pour en avoir deux, celui d'Héphaïstos et d'Athéna, si je me souviens bien. Eh bien, on va bâtir celui bah, d'Héphaïstos pour le bronze. Voilà, j'en ai pas trop besoin de ton raisin, tu vois. Ah, il y a une armée troyenne qui va arriver. Le vin, j'en ai pas besoin pour le moment. On va accepter les armements qu'on me donne. Enfin, tous ceux qu'on peut. Je suis Athéna. Yep. Célébrez-moi et une olivrette sacrée poussera dans votre cité. Ok, donc là, il nous manquerait quoi? Un gymnase. Et on va mettre des parcs quand même. Pour décorer le tout. Bon, c'est pas mal. Notre premier quartier fond. Non, mais... ce jeu, c'est vraiment... Pour faire me taire. Bon, on va redemander de la bouffe à Ulysse, hein, parce que là, on va pas tenir sinon. Donc, il sera aussi... Alors, regarde un peu le chômage qu'on a. On a 64% de chômage. Ce qui est énorme. Et là au nord, je vais mettre mon palais avec la maintenance. Donc les sanctuaires, faudra bien réfléchir où on va les construire. Ouais. Ensuite, il nous faudrait quoi? Ceci. Voilà, on va gagner un petit peu de sous comme ça, c'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Allez, trois qui continuent de nous attaquer, c'est bien. Je suis Athéna. Ensuite, je vais préparer un doc. Un doc vers. Alors, la prochaine étape, c'est de la ligne. Qui c'est qui nous vend de la ligne? Sparte nous vend de la laine, bah c'est parfait, on a besoin d'eux. En plus, on a du marbre.
Ok. Donc on va acheter du marbre, de la laine. Voilà. Bon, les armements pour moi c'est pas nécessaire. Là je vois bien, mais j'en ai plus besoin malheureusement. Là on en a plus trop besoin plus, nous avons des embarques. Du coup, je fais un autre entrepôt. Enfin, un autre, vous m'avez compris, hein, dans, sur le papier. Je vais faire un marchand de l'homme ici. Je vais également préparer des podiums ici, accompagné d'un collège. J'espère que l'espace suffira. Donc là, vous en doutez, la nourriture, j'espère que ça sera suffisant. Je crois qu'il va nous attaquer à outrance, hein, fallait s'y attendre. Bon, ça va, il me faut des petites attaques. Donc pour le moment, on tient. Et là, je vais mettre tout de suite pour des sculptures, tiens. Mais bon, là, le problème, c'est qu'on a du marbre, mais je sais pas où je vais l'entreposer. J'aurai un peu le temps pour faire une ellipse, hein. Il y aura une grosse ellipse. Ça, je l'annonce. Donc, du marbre. Encore du marbre. Et maintenant, ceci, ça devrait être suffisant. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous allez voir que c'est l'eau. Bah tiens. J'ai toujours eu des petits problèmes avec lui, et c'est pourtant je ne comprends pas d'où ça vient. Voilà. Je suis Athéna. Célébrez-moi et une olivrette sacrée poussera dans votre cité. Bon, maintenant c'est bon, ça va se stabiliser. On va commencer à construire le premier sanctuaire, à savoir la forge d'Héphaïstos. Le problème c'est que je vais la caser comment? Si je la case là, ça va pas le faire. Hein. Au pire, je la mettrai sur une colline, mais il me faudrait de la place pour le quartier de riche, quoi. Pourquoi pas les mettre là, le quartier de riche? On aurait peut-être la place pour les 32 hoplites. Bon, on va mettre là. Allez. On va essayer de faire ça. Je justifie mon choix, tout simplement, parce que il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Comme ça. Comme ça et comme ça. On va apporter, ramener tout le marbre qu'on peut. On va demander du marbre à Athènes, à Sparte en masse. Bon, les armements pour le moment, ça, on n'en a pas besoin. Bon, notre économie, on la stabilise, hein, ça c'est cool. Comme ça, on pourra se faire de l'argent. Oh mince, j'ai oublié l'hôpital. Ah. Voilà. Maintenant ça va se calmer. Célébrez-moi et vos soldats se sentiront plus forts. Trois qui continuent de nous attaquer, bon ça va. On est tranquille. Pour le moment, le vent, on n'en a pas besoin. Là, on va pouvoir se faire de l'argent. Il y a peut-être moyen. On négocie bien. Oh, l'Isernos, par contre, pour les prendre, ça va être très compliqué. Hein. Qui c'est qui achète? Il n'y a personne qui achète de la sculpture ou je sais pas, de l'armement. Bah, j'ai personne, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, là, le premier temps d'Héphaïstos, enfin, la sanction d'Héphaïstos, on va le terminer, après je ferai mon ellipse. Lizernos, faudra les conquérir. 5 qui nous fait un don d'argent, ça c'est cool. On a encore pas mal de chômage, on a de la marge. Vous m'avez provoqué, ouais. Misérable. Ça, préparez-vous à croiser le fer avec Arès. Goût.
tout au tranchant de ma lame, maudit fainéant. Bon. Ça va, il va détruire le... Il va détruire quoi là? Il va détruire quoi? Oh là là, il rase tout. C'est bon. Les soldats se sentiront plus forts. Oh non, il m'a fait du dégât comme jamais quoi. Il m'a détruit un entrepôt complet avec de la laine. Bon, il n'y a plus qu'à tout remettre. Hein. Ces Sparti là, ils sont redoutables en plus. Voilà. Allez, les Lysanos, eux, ils ont tout huité pour conquérir. Hein. Non, ça, faut vider. Il nous faut tout. Et j'ai l'air d'être là. Ah ouais. J'ai oublié le palais. Rien d'autre sur le faire des Phaistos, là. Allez, maintenant tout le monde, tous ceux que j'avais conquis, bah je les ai perdus, je dois tout recommencer. À part célébrez-moi et vos soldats se sentiront plus forts. Bon. On termine le sanctuaire des Phaistos et je ferai l'ellipse. Ah, ils ont rasé le palais aussi. Ouais, mais arrêtez avec vos dons en vrai, j'en ai pas besoin pour le moment. Bon, c'est bien, au moins on a des dons d'argent et tout ça. Donc, 4 blocs de marbre, le cas du faisceau sera bouclé. Super. Super, ça c'est cool. On a du bronze maintenant. Mais avant de ça, je vais faire le dernier bâtiment de culture pour mon premier quartier de base. À savoir l'école de théâtre. Est-ce que j'aurai de la place pour la mettre? Voilà, ça passe. Ils sont tous en colère, tu m'étonnes. Je vais ordonner à Talos de vous aider à résoudre vos problèmes. Ah, le problème, c'est que Talos, il est un peu tout seul, tu vois. Et je vais aussi préparer. Donc, je vais vous faire mon ellipse. Donc, je prépare au moins le sanctuaire d'Athéna, comme ça, on aura les deux temples de préparer. Donc, j'ai fait les objectifs qu'il fallait quasiment. Donc. J'ai soutenu l'armée, j'ai récupéré le flèche d'Hercule, je suis régné sur 6 mai. Mais j'ai un autre problème, c'est que Hector devait apparaître, il n'est jamais apparu, ça fait 2 heures que j'attends, il n'y a toujours rien. Du coup, bah, j'ai pas trop le choix, j'arrive pas à régner sur Lysianos tant que je ne tue pas Hector, donc c'est ça le problème, alors on joue pas. Donc j'ai pas le choix là, donc je justifie, mais bon. À titre de cette nuit, j'utilise un cheat code pour arriver au dernier scénario. À savoir, alors c'était... Ambrosia. Je vais enregistrer et normalement on devrait gagner le scénario. Parce que bon, c'est pas que je veux pas, mais j'essaie, je tape depuis tout à l'heure. Ténédos est devenue une belle place forte qui vous aidera à conquérir Troie. Agamemnon va rester ici pour participer à la direction des opérations militaires, bien que sa propre cité menace de se ruiner sous l'égide de son épouse Clytemnestre. On dit même que cette dernière a pris un amant et refuse désormais d'apporter son soutien à l'effort de guerre. L'un des premiers succès de Ténédos a été la prise de la cité de Lyrnessos. Mais celle-ci a beaucoup souffert durant l'assaut et ses défenses ne sont plus très solides. Il est temps de regagner Aulis. Donc voilà, bon, là je suis vraiment désolé, j'avais vraiment pas le choix, je ne comprenais pas pourquoi Hector n'apparaissait pas. Archil était apparu, normalement j'avais lu un guide. Hector apparaît quelques mois après l'apparition d'Achille, il n'est jamais venu, je sais pas ce qui s'est passé, bon, bref. Lysianos, je l'ai amoché à fond, j'arrive pas à conquérir, mais bon. Du coup, je vais vous laisser là pour cet épisode, malgré cela, je suis désolé, j'espère qu'il vous a plu quand même. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre affaire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire, pour suivre l'actualité, etc. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, les amis, n'oubliez pas la page Tipeee dans la description. Moralement ou financièrement. Je vous dis à la prochaine les amis, c'était Kaiser von Karstein, merci d'avoir suivi et à bientôt.